Bonsoir coach, c'est une belle soirée de reprise. Qu'est-ce qui vous satisfait le plus sur cette victoire? Sì, buonasera mister, si inizia bene la ripresa del campionato, cos'è che l'ha più soddisfatto questa sera con questa vittoria? Tanti gol che abbiamo fatto, penso la cosa più bella di tutte, potremmo fare anche qualcun altro, sono contento per i ragazzi che hanno segnato, tutti quanti, qualcuno, c'è un difensore che ha segnato, un altro difensore che ha portato assist per primo gol. Penso che mi è piaciuto, che abbiamo spinto fino alla fine. Ecco, queste cose mi sono piaciute. Alors je pense que c'est tous les buts qu'on a marqués ce soir qui m'ont beaucoup plu. Je suis vraiment content pour les joueurs, pour tous les buteurs. C'est un défenseur qui amène la première passe décisive, qui amène le premier but. C'est un autre défenseur qui marque. Donc ça, c'est des choses qui m'ont plu. Aussi le fait qu'on a poussé jusqu'au bout du match. Mourad. Bonsoir coach. Est-ce que le fait d'avoir eu cette trêve, on a senti vos joueurs très en forme physiquement. Est-ce que ça leur a fait du bien et ça les a régénérés et prêts à repartir? Est-ce que vous aussi, vous les avez sentis mieux physiquement, vos joueurs, et ce qui peut expliquer la grande différence entre les deux équipes ce soir? Sì, dopo questa sosta abbiamo visto i giocatori veramente molto forti e in forma fisicamente. Penso che questo gli sia stato d'aiuto, che sono riusciti un po' a rigenerarsi, veramente a tornare più forti fisicamente di prima, e che spiega anche il divario che c'è stato con la squadra avversaria. Ma io penso che comunque, cioè per modo come giochiamo noi, che è molto dispensivo, diciamo così, devi veramente stare bene, no? Io oggi la gara, secondo me, ci aiuta ancora di crescere da quel punto di vista, dal punto di vista fisico, perché abbiamo fatto solo due amichevoli e io penso che oggi con la gara di oggi si crescerà ancora. Se devo dire qualcosa della gara oggi che potevamo magari fare meglio, erano un po' di scalate su pressing in avanti che a volte eravamo un po' in ritardo, no? C'è da lavorare da quell'aspetto là, siccome abbiamo cambiato qualcosina in modo di andare avanti, impressare, dobbiamo un po' sistemare questa cosa qua. Ecco. Alors je pense que la façon dont on joue requiert beaucoup d'énergie et donc il faut toujours qu'on soit vraiment bien physiquement, et c'est vrai que je pense que le match de ce soir nous a aidé aussi de ce point de vue-là à nous améliorer, puisqu'on n'a eu que deux matchs amicaux, donc ce soir ça nous a permis encore de nous améliorer du point de vue physique. Et si je peux voir des choses encore qui n'étaient pas forcément au maximum des points à améliorer par rapport à ce match. Je pense que c'est un peu le pressing vers l'avant. Parfois, on était un petit peu en retard. On a fait des changements par rapport à ce pressing offensif et donc il faut encore qu'on réussisse à bien se caler. Constant. Bonsoir coach. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu Kolasinac piston gauche. Est-ce que vous pourriez nous expliquer tout d'abord pourquoi avoir décidé de mettre là, pardon, excusez-moi. Et deuxième chose, on vous a vu surtout très heureux quand il est sorti, enfin de l'applaudir, vous étiez très heureux quand il est sorti. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez ressenti et ce que vous avez pensé de sa performance ce soir? Merci. Sì, era da un po' che non vedevamo Kolasinac come quinto di sinistra, quindi se ci può dire il perché. Poi l'abbiamo visto che quando è uscito l'ha applaudito, era molto felice. Quindi cosa ha pensato alla fine di questa sua performance di stasera? No, dopo il gol che ha fatto dobbiamo farlo giocare sempre. Invece doveva iniziare Nuno, però ha avuto stasera un po' di problemi di vomito di pancia, allora lo abbiamo tenuto in panchina e poi è entrato nel secondo tempo. Invece Sead è un giocatore, è un ragazzo che è d'oro, no? Che si applica sempre al massimo e sono veramente contento per lui perché se lo merita come lavora e come si comporta. Alors, je pense que vu comment il a joué ce soir après son but, il faudrait qu'il joue toujours de ce côté-là. Mais en réalité, donc, Nuno devait jouer dès la première mi-temps, mais il avait un petit problème au coude, au ventre. Donc c'est pour ça qu'il est resté sur le banc et qu'il est rentré qu'en cours de match.
Mais vraiment, Seth, c'est un joueur qui s'applique beaucoup, qui travaille dur et donc il mérite ce qu'il est en train de recevoir et je suis très content pour lui. Bruno. Oui, bonsoir, coach. Vous nous disiez hier que vous ne saviez pas trop, il y avait peut-être un petit peu d'appréhension quand on reprend comme ça après une trêve. Êtes-vous rassuré du coup de la prestation de votre équipe, sachant en plus que vous faites une très belle opération au classement? Ieri ci aveva detto che c'era sempre un punto interrogativo quando si riprendeva dopo la sosta, e invece c'è stata una prestazione molto positiva, quindi era assicurato e poi anche a livello di classifica è stato un bel colpo. Non ho visto altri risultati. Cosa hanno fatto stasera? J'ai pas vu les autres résultats, donc je sais pas ce qu'on a fait. Est-ce qu'on fait les autres? Troisième. Siamo meglio così. Bene, bene. Pareggio di Lens. No, ma meno partite ci sono a giocare, più importanza c'è, anche le nostre, anche degli altri, però comunque come sempre c'è da lavorare su noi e pensare solo a noi e provare a vincere più possibile partite. Non, c'est vrai que moins il reste de matchs à jouer, plus ces matchs sont importants, que ce soit pour nous ou pour les autres. Mais nous, c'est vraiment de se concentrer sur nous et sur nos matchs. Senza il microfono non ho sentito, però la prima domanda era, quindi comunque si è rassicurata del fatto che prima del ritorno dopo la sosta non si sapeva come sarebbero andate le cose. Non si può lamentare per la partenza dopo la sosta, magari si riparte sempre così. Non, c'est sûr qu'on ne peut pas se plaindre de notre premier match et ce serait bien si ça pouvait toujours reprendre de cette manière. Allez, on termine avec toi, Xavier. Ouais, je voulais revenir sur le festival offensif de votre équipe. C'est assez paradoxal parce que votre attaque était décimée avec 4 joueurs qui étaient absents par des départs ou des blessures. Et finalement, vous avez inscrit 6 buts. Est-ce que vous êtes rassuré par le fait que finalement dans votre équipe, dans le secteur défensif et offensif, tout le monde peut marquer? Et surtout, est-ce qu'à l'avenir, vous attendez davantage de dépassement de fonction de vos joueurs? Par exemple, Rongier qui marque alors qu'il joue au milieu de terrain, Kolasinac qui marque alors qu'il est défenseur. Voilà, est-ce que vous attendez davantage à ce niveau-là? Merci. Sì, allora dopo stasera si può dire che c'è stato veramente un festival di gol, tanto, tanto lavoro dalla parte offensiva, nonostante si sa che a livello numerico in teoria in attacco siete un po' carenti dopo le partenze, gli infortuni, invece avete segnato 6 gol, quindi è qualcosa che anche la rassicura il fatto di sapere che sia i suoi difensori che gli attaccanti sono in grado di segnare, poi si pensa che sia veramente anche qualcosa di importante avere giocatori che da un reparto possono andare in attacco come Rongier che è un centrocampista che ha segnato, anche con Kolasinac che è un difensore che ha segnato stasera. No, prima cosa devo dire è che quelli tre davanti hanno giocato bene, quelli tre davanti, questo è importante perché poi attaccanti devono decidere tante volte come andrà a finire la gara, ecco. Poi io quando alleno il mio modo di vedere il calcio è questo, che loro tutti quanti, allora tutti 10, non portiere, hanno possibilità di andare avanti e fare gol, se c'è sia centrale difensore, sia due braccetti che sono Leo e Chancel. Chancel andava molto di più, ora proviamo a convincere Leo di prendere gusto di andare avanti, quando gioca Seat quella posizione lui la interpreta abbastanza bene. È così, poi altri si devono chiaramente adeguare, perché se vanno difensore magari rimane un centrocampista o viceversa. Alors, tout d'abord, il faut que je souligne que le trio offensif de soi a bien joué, parce que ce sont quand même les attaquants qui peuvent décider le sort du match. Mais moi, ma façon d'entraîner, ma façon de voir un peu les matchs, c'est que les 10 joueurs de champ soient en mesure de pouvoir être offensifs, être dangereux et d'avoir des opportunités et des occasions de but. C'est vrai que tant les défenseurs, par exemple Léo et Chancel aussi, peuvent aller vers l'avant. Léo, c'est vrai qu'il doit encore un peu s'habituer à ça, à prendre goût à aller plus vers l'avant. Séad le fait déjà bien quand il joue à ce poste. Après, c'est sûr qu'il faut réussir à s'habituer à ça, parce que s'il y a un défenseur qui va aller vers l'avant, forcément, il faut qu'il y ait un milieu
peut-être qu'ils reviennent derrière pour couvrir la position, mais c'est quelque chose qui est dans l'envie de notre jeu. Dernière question, vas-y, je t'en prie. Attends. Est-ce qu'on pourrait avoir une réaction sur la disparition de Pelé et sur l'hommage que lui a rendu le Vélodrome? Si, selon un commento sulla scomparsa di Pelé e anche sull'omaggio che c'è stato stasera al Velodrome. No, è stato toccante, è bello il momento, anche se io sfrutto il momento e do mie condoglianze alla famiglia. È stata una, cosa dire di lui, una leggenda di questo sport, se si può dire anche di sport generalmente, vedendo la sua carriera. Oui, non, ça a été un beau moment, un moment touchant. J'en profite aussi pour présenter mes condoléances à sa famille. Et c'est sûr que c'était une légende de ce sport et du sport en général au vu de sa carrière. Sans le micro, je peux pas, j'entends pas en est-ce fait. Est-ce qu'il a croisé a dans sa carrière Pelé? Oui, il a demandé s'il avait rencontré déjà dans sa carrière Pelé. Aveva mai incontrato durante la sua carriera Pelé? No. Merci, bonne soirée. Merci. Grazie.